Good morgen, allez, Iden les sutres aujourd'hui, le Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israq Ben Fortuné Mazal, et Robert Baruch Ben Jamil Tarab à Cohen. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà la prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maseret Beitza, Perek Aleph, Mishnah et Bet Shammai Omrim. En Mesalkin et Atrixin Beyom Tov ou Bet Hillel Matirin, Aflerzin. Bet Shammai Omrim, En Notin et Aeli le Katsev Alav Basar ou Bet Hillel Matirin. Bet Shammai Omrim, En Notin et Aor Lifna Darsan. ולא יגביינו אלא אם כן יש עמו כזית בשר, ובית הלל מתירים, ובית שמאי אומרים, אין מוצאין את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה, לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. נקט מחלוקת בית שמאי ובית הלל דוסק משנה, תחווה, כי טורנו טור במם סוג'ה, אלא כתכם, כי אין טיפה פלוס ניאנסה, ובתו תקספיקה, וכמו ספטג'ור לקרומיקה, בית שמאי אומרים, בית שמאי אוזן, דיז, En mesalkin et atrixin be yom tov. On n'aura pas le droit de défaire les gonds à yom tov. De quoi exactement? On va expliquer, c'est quoi de, les charnières, quoi. Bet hilel matirin aflarzir, tandis que bet hilel vont même permettre de les remettre. D'abord, une petite introduction. De manière générale, vous savez que tout ce qui est rattaché au sol, à Shabbat, n'a pas le droit d'être démonté. Sous peine de transgresser l'interdit de bonnet. Imaginez une vitre. Une fenêtre qui est attachée à des charnières, à des gonds, la sortir ou la remettre, on transgresse aussi un interdit de bonnet et sauter, tout ce qui est attaché au sol. D'accord? Par rapport au. Par contre, dans les ustensiles, alors il n'y a plus de bonnet et sauter dans un cas pareil, de les défaire et les remettre, sauf s'il faut les forcer, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, de juste une porte d'un jouet, par exemple, ou d'une boîte. Vous pouvez les enlever et les remettre, il n'y aura pas d'interdit de bonnet dans les kelim. Toutefois, il y a un interdit des rabbanan, c'est ce qui se passe dans notre Mishnah. Il y avait à l'époque les tricines, c'est, je ne sais pas comment je traduis, on n'aura pas le droit d'enlever les gonds, c'est pas exactement les gonds. En fait, il y avait des, comme les marchands ambulants, que ça existe encore dans certains endroits, où ils ont une boîte fermée avec des roues, puis de temps en temps, ils décident de l'ouvrir et ils transforment la porte en étalage. C'est ça exactement le tricine. Et en fait, alors j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble exactement, mais concrètement le Bartanora, je sais pas pourquoi chez moi le Bartanora, il est tout à la fin de la Mishnah, presque quasiment tout à la fin de la Mishnah, il parle, apparemment il avait un ordre différent dans la Mishnah, mais concrètement, il rapporte comme ça. Il peut y avoir le gond, soit la porte, soit, bien sûr c'est un plateau qu'on enlève et qu'on remet, là c'est mieux. Mais ça, parfois, c'est un plateau qu'on enlève, mais que le gond, il est sur le côté. La charnière, elle est sur le côté. Ou, des fois, elle est en dessous. Alors, si elle est sur le côté, quoi qu'il arrive, il y a plus qu'on est dans un ustensile d'abord, quelque chose qui est ambulant, qui est mobile, alors, c'est pas un interdit minatora, c'est qu'un interdit midérabanan. On interdit midérabanan que lorsque le tir, le gond, en fait, l'endroit où ça s'emboîte, il est sur le côté. Là, ça ressemble à une porte de maison. Tandis que si le tir, le gond, la charnière, est en dessous, alors ça ressemble à une porte de maison, donc il n'y a plus de xéra. Donc la xéra, en fait, elle est quand la porte, elle est sur le... Quand la charnière, elle est sur le côté. Et surtout, on a Beth Shammai qui est austère. Et Beth Hillel va permettre, malgré tout, même mieux que ça, même si tu l'as ouvert, tu vas pouvoir l'ouvrir pour la remettre. Bien sûr, j'ai oublié de préciser l'essentiel même. On est en train de parler d'une boîte où il y a dedans de la nourriture. En fait, c'est son petit magasin ambulant. Et puis, il arrive Yom Tov. Il a oublié qu'il avait dedans une épice nécessaire pour Yom Tov. Alors, on va lui permettre, Beth Hillel justement, va lui permettre d'aller ouvrir sa porte pendant Yom Tov. Bien qu'il y a en théorie une bonne raison d'être d'interdire, même d'après Beth Hillel. Mais selon Beth Hillel, c'est le point général qui reprendra dans plein d'entrants dans le Mishnah, selon Beth Hillel, alors la nécessité de Simchat Yom Tov, de se réjouir à Yom Tov en mangeant des bons plats, elle va l'emporter et elle va alléger quelques interdits. En l'occurrence, Beth Hillel ne va pas faire de décret ici pour interdire d'ouvrir cette porte. Ok, c'était la première remarque. Okay. Deuxième remarque, Beth Shammaiim en notin ta eli le katzev alav basar, ou Beth Hillel matirin. Beth Shammai dit, on ne prendra pas le eli. Alors, je ne sais pas comment traduire un Eli.
C'est une grosse poutre sur laquelle on coupe la viande. D'accord? C'est une sorte de... une poutre en bois qui est large, où dedans on coupe la viande, on peut couper toutes sortes de choses nécessaires qui ont beaucoup de place pour pouvoir taper bien fort. Ça, c'est le Eli. Et la Mishnah me dit, selon Bat Shammai, on n'a pas le droit de déplacer le Eli, donc cette poutre-là, pour couper dessus de la viande, étant donné que. Il rapporte le Barthénora que d'abord, c'est pas considéré comme un ustensile. C'est pas quelque chose de mobile, parce que c'est quelque chose de tellement lourd et imposant et volumineux que les gens ne le considèrent pas comme un. Ça prend pas un statut d'ustensile. De ce fait, il y a un interdit de Mouktsé, de le déplacer si c'est pas un ustensile. Et sur ça, comme ça il rapporte le Barthénora, sur ça, Bet Shammai, il va permettre, il va interdire plutôt, parce qu'il va dire c'est Mouktsé, et Bet Hillel, il va dire écoute, la nécessité à Yom Tov de manger de la viande, il va l'emporter pour te lever ce petit interdit de Mouktsé. Comme ça rapporte le Barthénora, mais il y avait le Tosot Yom Tov qui rapporte la Gemara, qui explique ça autrement, que... Ouais, Tosot Yom Tov explique ça différemment, non, c'est un statut d'ustensile, qui rapporte au moment de la Gemara, que c'est un statut d'ustensile, seulement c'est un cliché marteau de Issour. Et Bet Hillel va lever l'interdit de cliché marteau de Issour par rapport à la Mesa de Simchat Yom Tov. C'est presque la même chose, il y a une petite nuance malgré tout sur le niveau de Mouktsé. Selon le Tosot Yom Tov, le niveau il est moins violent, selon le Barthénora, le niveau de Mouktsé est très violent, malgré tout, Bet Hillel va le lever. D'accord? Troisième cas de figure de la Mishnah, c'est Bet Shammai Omrim, En Notnin et Ta'or Lifnei Adarsan Velo Yagbihenu. On ne donnera pas, on ne mettra pas donc la or, la peau, les fina d'arsan devant les piétons. Velo yagbihenu, on ne pourra pas la déplacer. Et la imken yashimo kazaïd basar. Que si on laisse attacher à cette peau un morceau de viande conséquent d'un volume de 1 kazaït. Soit, en fait, c'est très simple. À l'époque, les gens faisaient leur shrita personnel. Ouais. Ils avaient un animal et décidaient de le faire à la shrita. Après, il fallait le dépecer pour pouvoir manger la viande pendant Yom Tov. La viande, quand on a encore à dépecer, la viande, une peau de vache, c'est, à part une belle insulte, c'est aussi du cuir. On fait du cuir avec, on en a besoin. Pour pouvoir en faire du cuir, il faut d'abord la piétiner, la ramollir, je ne sais pas exactement comment ça marche, avec les techniques d'époque. Il fallait pouvoir la poser par terre et les gens marchaient dessus. On la mettait un lieu de passage, comme ça les gens, c'est sûr qu'ils vont marcher dessus. Et ça va piétiner, et je sais qu'on va pouvoir la travailler. On commence le travail du cuir depuis tout de suite. Maintenant, déplacer une peau, si la peau est vidée de toute sa viande, alors en théorie c'est Mouktsé, on n'a plus le droit de la toucher pendant Yom Tov, parce que ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de fonction pendant Yom Tov. De ce fait, Bet Shammai impose que si tu veux la déplacer malgré tout, une fois que tu as fini la shrita, tu as fini la shrita pendant Yom Tov, tu as égorgé, tu as fait la shrita de ta vache, on comprend, on a envie de te stimuler à le faire. On n'a pas envie de que tu aies des barrières. On va t'alléger la tâche pour que tu puisses lui faire la shrita quand tu vas manger la bonne viande fraîche pendant Yom Tov. Alors sur ça, Bet Shammai va te dire, malgré tout, pour après déplacer la peau, tu ne le feras que si un morceau de, au moins kazaït bassar qui restera attaché. À moins un volume important de viande, comme ça dans ce cas-là, pour ce petit volume de viande, tu as une bonne excuse pour déplacer tout le reste. Mais si même il n'y a plus de bout de viande, alors là tu déplaces la peau uniquement pour, alors qu'elle est mouktsée, tu la déplaces que parce que tu vas en avoir besoin pour chol, pour la réutiliser, on ne va pas te permettre de la déplacer. D'accord? C'est seulement Bet Shammai, et Bet Hillel va permettre, même s'il n'y a plus du tout de morceaux de viande dessus. D'accord? De nouveau, même principe sur Bet Hillel qui apparaît pour la troisième fois. Nous, c'est très important qu'on te permette, qu'on t'allège la vie, qu'on te stimule à manger de la bonne viande à Yom Tov. De ce fait, on va te lever nouveau un autre interdit, celui-ci en l'occurrence, de déplacer la peau, comme ça tu n'as rien qui va t'empêcher de faire la shrita. Sinon, avant de faire la shrita, tu vas commencer à te poser des questions. Tu risques de perdre trop d'argent, ça ne vaut pas le coup de faire la shrita. Alors, vas-y, fais la shrita et utilise la peau normalement, de manière à ce que tu vas faire ta shrita et manger de la bonne viande pendant Yom Tov. Dernière marloquette qui n'a plus de rapport directement. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai diz, En motzin lo et akatan, on ne pourra pas sortir ni un enfant, velo et aloulav, ni un loulav, velo et sefer Torah, et ni même un sefer Torah, birshut arabim, sur la voie publique. Ou Bet Hillel matirin, et Bet Hillel va permettre. De quoi on parle exactement? C'est simple. Il y a la Torah, elle a explicité dans Béchalach. La Torah, elle a explicité que dans Bo ou Béchalach, je ne sais plus, plutôt dans Bo, je dirais.
La Torah nous a donné donc les mitzvot meforashot de Yom Tov. En nous disant, Er hasher yachen nefesh, ou levado yaseh lachem. Ce qui sera consommé pour vous, ce sera permis de le faire pendant Yom Tov. Soit Yom Tov, en théorie, c'est interdit comme un Shabbat. 39 travaux, tu as le droit de le faire. Comme un Shabbat, les 39 travaux. Mais avec une différence, on te permet quand même de cuisiner. C'est explicite dans la Torah. Parce que cuisiner, ça implique aussi lever allumer le feu. Ça implique aussi de faire en réalité tous les travaux qui sont, même pour préparer du pain, le pétrir, le former, le mettre au four, tout ça, c'est permis pendant Yom Tov. Parce que la Torah nous a dit, Ach asher yachel lechol nefesh ou levado yaseh lachem, ce qui sera consommé pour une nécessité à votre consommation, nécessaire à votre consommation, sera permis d'être réalisé pendant Yom Tov. Ça, la Torah l'a dit explicitement. Du coup, donc on a levé plusieurs interdits, plusieurs melachot, à condition que tu en aies besoin de le faire pour Yom Tov, bien sûr. Maintenant, jusqu'à maintenant, tu as permis de le faire pour ce qui concerne ton repas. Mais est-ce qu'on va, comment dire, étaler aussi cette dérogation aussi pour tout ce qui est de ton profil, du bien-être? Marloket Beth Shammai Beth Hillel. Selon Beth Shammai, ce qu'on permet de déplacer, c'est que pour manger. Selon Beth Hillel, on permet de placer tout ce qui sera pour bien-être. T'as besoin de déplacer une bonne huile pour te graisser, t'as le droit de la déplacer. T'as le droit de la pas de la déplacer, de la faire sentir sur la voie publique, t'as le droit de faire toutes sortes de travaux aussi pour le faire. En l'occurrence, la Mishnah me dit, tu sais quoi, sur le même principe, déplacer un enfant, déplacer, apporter un loulav pendant Yom Tov. Ou encore apporter un Sefer Torah dans le Rishut HaRabim. Déplacer un Sefer Torah dans le Rishut HaRabim. Porter dans le Rishut HaRabim, c'est une menacha. Une menacha que Shabbat a le droit de le faire. À Yom Tov. Alors Beth Hillel va te dire, puisque c'est pour ton bien-être ou c'est pour un besoin de mitzvah, tu auras le droit de le déplacer, on va dire mitor. Si vous entendez cette phrase, est-ce qu'on dit mitor, on ne dit pas mitor. Mitor chez Utra Otsa le Tzorer. Utra Nami Shelo le Tzorer. Utra le Tzorer Chorcha Nefesh. Utra Nami Shelo le Tzorer Chorcha Nefesh. Étant donné qu'on t'a permis de porter dans la voie publique Hacha Yom Tov pour ton besoin de Chorcha Nefesh, d'accord, les Tzorach Nefesh, alors ça implique aussi une dérogation de te permettre de porter même pour tout ce qui sera le bien-être de Yom Tov ou la nécessité de Yom Tov directement, en l'occurrence les objets de mitzvah comme le Sefer Torah. À la différence des choses importantes, il faut le savoir, ça, à Yom Tov, on n'a pas le droit de porter pour rien. On n'a pas le droit d'allumer du feu pour rien. On n'a jamais fait parce que c'est une préparation. Pire que ça, imaginez vous l'allumez du feu pour cuisiner un repas pour un goy. À Yom Tov, on n'a pas. Ou le vado, il y a Selachem. C'est déduit que pour vous, les Juifs, je vous permets de vous fabriquer de vous faire votre repas pendant Yom Tov, pour vous. Quelqu'un qui va se mettre à cuisiner pour un goy pendant Yom Tov, il va transgresser l'interdit de cuisiner pendant Yom Tov. Parce que, en théorie, il faut se le dire, faut faire fonctionner la tête à l'envers. Dans le bon sens, plutôt. De manière générale, on sait que Shabbat, c'est très mahmir, et Yom Tov, c'est très mekel. Mais c'est pas exact. Shabbat, c'est très mahmir, et Yom Tov, c'est aussi très mahmir. À Yom Tov, on te permet, malgré tout, de faire ce qui est nécessaire à ton repas. Dès que tu sors du cadre du repas du Ben Israël, spécifiquement, eh bien, dans ce cas-là, redevient interdit dans toute son ampleur de réaliser aucun des 39 travaux. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.